La raffinerie d'Angote, un projet ambitieux au Nigeria, peine à atteindre sa pleine capacité de fonctionnement malgré un investissement colossal de 20 milliards de dollars. Initialement prévue pour transformer le pays en un centre de raffinerie et réduire sa dépendance aux importations de pétrole, la raffinerie est confrontée à divers défis qui freinent son opérationnalité. Parmi ces obstacles, on retrouve des problèmes logistiques, des retards dans la construction et des difficultés d'approvisionnement en matières premières. En outre, la raffinerie est également affectée par des questions réglementaires et des incertitudes politiques qui impactent le climat des affaires au Nigeria. Les fluctuations sur le marché mondial du pétrole et les tensions internes dans le secteur énergétique compliquent davantage la situation. Malgré les attentes élevées placées en ce projet, la mise en route de la raffinerie a été plus lente que prévue, suscitant des inquiétudes quant à sa viabilité à long terme. Les analystes soulignent que pour que la raffinerie d'Angot atteigne son potentiel, il est crucial d'améliorer les infrastructures environnantes et de garantir un environnement propice aux affaires. Les efforts pour résoudre ces problèmes sont essentiels non seulement pour la raffinerie elle-même, mais aussi pour l'économie nigériane dans son ensemble, qui espère bénéficier d'une production locale accrue et d'une réduction des coûts d'importation.